marinela mponinyo selibo e maria rendez-vous yesu ke pa ya second pote na ebisa yo ezalili na ngaya sanga. Là, je m'apprête pour faire un petit tour dehors pour prendre un peu de l'air après une très longue semaine de travail. Et je dirais même que ça fait 4 mois depuis que j'ai commencé le travail au mois de janvier. Je ne suis plus sorti, non seulement parce que j'aime pas trop être dehors, mais parce qu'aussi il y avait le Covid-19 et il faisait pas trop beau. Là il commence à faire beau et je remercie Etienne et Messassa qui est passé me chercher pour qu'on fasse un petit tour à Bandal. J'ai vécu très longtemps dans ce coin, mais bon, j'ai pas assez de temps pour sortir et je ne pas réalisé que Bandal a tellement changé. I mean, Silver Spring est devenu Bandal, quoi. Ça a tellement changé qu'aujourd'hui, je vais faire un petit tour pour prendre un peu de l'air. J'ai conseillé à tout le monde. Les temps sont durs. Le Covid-19, le travail, le stress de la vie de tous les jours. Ceux qui aiment le Congo, comme moi, je suis bourré de stress parce que ça ne va pas toujours très bien. Pour moi, je ne parle pas pour les autres. Ceux qui pensent que ça va mieux, tant mieux. Pour moi, ça ne va pas trop bien parce que nous comptons toujours le nombre de morts et les gens ne meurent pas seulement par les assassinats, la notre séquestration et les viols, mais par la misère. Nous sommes le troisième pays le plus pauvre de la planète et on viole terriblement les séquestrations des environnements. Notre pays est la proie de l'univers où il y a la guerre froide. Les États-Unis ne veulent plus des Chinois et les Russes. Notre pays semble comme si c'était Mike Arnold qui dirait les Congos. Ça, c'est d'après moi. Et de temps en temps, je vous conseille de ne pas seulement rester à la maison. Sortez, prenez de l'air, relaxez, faites du sport. Ça vous fera du bien. Non. Le sport, quand je parle du sport, tout ce qui ressemble à faire du sport, qui vous fait transpirer aussi. Comprenez? Donc, merci à Roger Chakembo, Papa Rikyuka, et Tiam, et Messassa. J'ai dit aussi bonjour à ma cousine Sassa et à vous tous, à mes enfants. Je pense à vous tout le temps. Et là, je viens de relâcher à Bandal. Donc, à la vie, ben, on se voit tout à l'heure. Je vais me changer et partir. Je prie un peu de l'air. Il faut dire que la vérité, que c'est depuis 4 mois, depuis que j'avais commencé les boulots au mois de janvier, ça va faire bientôt 4 mois, là, je ne sortais pas. Il faisait froid d'ailleurs avec le temps, avec le Covid. Donc, aujourd'hui, j'étais tellement bourreux d'un peu de stress. La situation de la RDC, le travail. Ben, comme il a fait un peu beau, je me suis dit, ben, je vais faire un petit tour dans le quartier. Donc là, je suis à Bandal. Je vais dire Silver Spring, Maryland. Hein. Donc, je fais un petit tour dehors. Je suis sorti pour prendre un peu de l'air. Habituellement, je n'ai pas la Bandal, Awana, Banamay, Alec Yuka, rédacteur de la vie sur l'éveil patriotique, Yaroy, Colo Muscavino de la Cuerta,
ATM nakati ya bandal. Bon bandal est tondi na te bon na bino mo na bloc. Ah na couloir hein, ya bloc. Ezana nous dit mais kalate bon mo na ngenge ko tonda wa. Batu bazo ya ka moko moko. Ba ipsa bino ke bandal est changé hein. Merci. Sensei. J'appelle les choses, ça c'est bon. Ah, on a quatre sandales, mais on a un peu de monde qui a échangé mon bouquet pour Mindele et Bele. Il y a seulement des bandales séparées, il y a tellement de Mindele. Là nous sommes à Bandal. Kinshasa s'est transformé complètement. Je n'y croyais pas qu'on me disait que Bandal c'est Paris. Là nous sommes à Bandal, non loin de ce mois. Tout a vraiment changé. Et je me suis décidé de faire un petit tour dehors pour voir un peu à quoi cela ressemble. Les routes, les gens sont dehors. Il a fait tellement beau aujourd'hui, c'est propre. Les magasins, les boîtes, les gens sont en train de s'amuser. Donc je me suis dit, bon, rester à la maison 24/7, après de longues semaines de travail, je dois faire un petit tour dehors pour voir un peu comment, how it looks, les restaurants et les gens qui boivent. Donc, je suis venu relaxer un peu à Bandal et je rentre à la maison. Bah, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans le milieu de politiciens ou le milieu de politiciens, parce que les gens ont peur. Donc
Donc voilà, donc là, je suis dehors. Je suis dans le quartier en train de prendre un peu de l'air. Je relaxe un peu, trop de stress. Quand je pense que ça fait des milliers d'années que je ne suis pas rentré au Kenya. Et voyons, ce petit coin ici n'était pas comme ça. C'était pratiquement nul. Hein. Il y a quelques années, parce qu'on a grandi dans ce coin ici, c'était pratiquement nul, il n'y avait rien. Un peu pas trop propre, mais ben, écoutez, l'homme blanc, comme il aime bien son coin, il a aménagé cela rapidement, très rapidement. Et le coin a changé dans quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, que l'argent que j'utilise pour améliorer tout ça, tout ce petit coin-là que vous voyez, c'est l'argent du Congo. Les chocs, c'est l'argent. Mbongo, Bambongo, Bambongo, on a reçu depuis Covid 600 dollars, 500 dollars, 1200 dollars, c'est pour tout 1400. C'est l'argent que le gouvernement Zopi Sabato gratuitement. Boyo Kangabia, et Zambongo, un gouvernement, à Monique Batouana Covid, tu vas perdre des Missala, tu vas perdre la business est Kanga et Kangi. L'État a zoté ça même Batumbongo, c'est-à-dire que l'État a dévisé Mbongo, le col à 100 000 dollars, et au Kofutango, Bando Kofutango a pris 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, au Kofutango, et puis les Bando Kofutango, ils ont un bon monde sur Bando Kofutango à 100 dollars par mois pendant 10 ans. Donc ce qu'on couvre Mbongo, on est qui est égalier. Et tant on a besoin d'apprendre que Mbongo, on a la plupart Mbongo, ou Mbongo, ou ils ont cadé la bataille, ils ont un Congo. Nana vit tant y a beaucoup de ma vanité. Je n'ai pas dans mon salon ATM et mais ça a été aussi on a très bien que Mbongo y a Mboka aux États-Unis. Mbongo baso kabila biso une grande fortune y a Mbongo et donc dans la Congo. Donc j'ai commencé à me dire que bon il y a un Mike Hammer à comment est congolais. C'est comme bon Ottawa. Et j'ai parlé avec une soeur aujourd'hui ce matin. Aïbisenga le biatino, pourquoi je yakinte? Congo t'a la carapona yef na sala trop na chambongo de côté, na si sana kotonganda ou et puis je serai au Congo. Alors bien nga yaka ya mbongweza a okoboya. Je lui dis, ce qui mbongweza, mais pourquoi ma Congolais va comment le col à banque mondiale? C'est-à-dire que le Congolais te demande l'argent. C'est-à-dire que le Congolais te demande l'argent, même Moto, pour qu'il continue à faire un bon coup, il y a un bon coup. Il y a un correspondant. Il y a un camarade, il y a une famille, il y a un ami, il y a une connaissance. Tout le monde te demande l'argent. Tout ce beau y a été, mais si tu dois donner 100 dollars ou 50 dollars à 10 personnes chaque semaine ou chaque deux semaines ou chaque mois, imagine que tu as dépensé combien. Il faut que nous travaillons tous. C'est vrai, mais il a vu ça là, tout ça n'a salaire, il y a rien. Allant de 8000, 5000, 6000, 4000 par mois, mais on dépense combien pour en profiter à Bill Nabanda. Mais bateau, il y a beaucoup. Quand on parle de vol, quand on parle de bateau, Yibimbongo, le détournement, c'est des millions. Anyway, je suis sorti pour prendre un peu de l'air, relaxer un peu. Écoutez, je suis sorti pour prendre un peu de l'air, relaxer un peu. C'est un bonheur de vous parler et savoir que nous avons, à part tout ce qui se passe au Congo, à part autour de Mbaka, nous en avons vu beaucoup de choses. J'ai pensé à la majorité, mais les milieux du monde, je vous encourage, au sein de la Batoua au cours de notre réseau social à Vandi, cravate, à l'objet, le vie, on dira ça la gravité, non, la vie, et ça, quand vous allez résister, les vies, les amis, les amis, les humains, les amis, l'histoire a couronné, ça a sauté, le temps a changé, Batoua, c'est une bande, donc si tu as le temps et la chance de sortir,
de prendre de l'air, immense joie pour relaxer mon corps. Donc, Nyazou Zelaya, Nono Kusangi, Aya, nous avons un restaurant à moi. Et la chose la plus étonnante, le restaurant, nous allons voir avec un bon été, mais Balambaka aussi. Balambaka aussi. Balambaka. Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. C'est mon thé, c'est la manière. Voilà. Enjoy, nous allons enjoy. Bye. Là, nous sommes en Banda. Bolingwango, na sinisa toko kanda na mae. Bolingwango.